Not in my house, d'après L'enlèvement d'Oriti, de François-André Vincent, en 1781, exposé actuellement au Musée des Beaux-Arts de Rennes. Lorsque j'ai découvert la NBA, j'ai été frappé par la dimension athlétique des joueurs, autant par la taille que par le poids ou les performances. En NBA, tout est scruté, mesuré et analysé, et toutes ces informations prenaient encore plus d'importance à l'époque, vu le sevrage d'informations que l'on subissait. Le contraste entre la force pure nécessaire à cet enlèvement et la fragilité de la kidnappée dans le tableau originel m'a tout de suite fait penser à ce qu'on pouvait observer sur les terrains de la NBA à cette époque, avec des personnages hors forme. Parmi la galerie de personnages hors normes de l'histoire de la NBA, deux noms ressortaient. Les géants étaient nombreux, mais l'un des plus illustres était sans conteste le contreur des Utah Jazz, Mark Eaton. Ce défenseur hors pair culminait à 2m23 et jouait un rôle important aux côtés du duo Stockton-Malone. À l'autre extrémité du spectre se trouvait Spud Webb, qui tout en disposant d'une taille banale, moins d'1m70, grâce à laquelle on pouvait se projeter en tant que joueur, il était capable de gagner le concours de dunk du All-Star Game au nez et à la barbe de son coéquipier Dominique Wilkins. C'était l'histoire de Not In My House, extrait de l'exposition Double-Double par Sleep.